Le quai qui borde le canal de Suez et qui sert de débarcadère. Un café avec table et tenture à la mode turque, les bureaux de Mustafa Pacha, gouverneur de la ville. On aperçoit des navires à l'ancre, des barques, des machines à draguer. Au loin, la plaine arabique terminée par des montagnes. Européens et fellahs vont et viennent sur le quai et sur la place. Mustafa Pacha sort de ses bureaux, congédiant deux individus en leur donnant des papiers. Il est vêtu comme un Européen élégant. Paraît à ce moment un étrange personnage. C'est un policier anglais du nom de Fix. Allez, messieurs. Ah, monsieur le gouverneur. C'est vous, monsieur Fix ? Oui, excellence. Et votre excellence, à laquelle le gouvernement anglais a bien voulu me recommander, n'a rien à m'apprendre. Rien, monsieur. Aucun étranger suspect n'a été remarqué dans la province et n'a débarqué à Suez. Ce n'est que trop vrai, excellence. Voici déjà 15 jours que je suis ici, que je ne quitte pas ce quai, que je dévisage les passagers de tous les paquebots pour tâcher de reconnaître le voleur de la Banque d'Angleterre, et rien. Un peu de patience, monsieur. Les voleurs ne sont pas toujours si pressés de se faire pendre. À propos, vous savez que le Mongolia a été signalé hier au large de Port Saïd. Il ne peut donc tarder à arriver. Et le Mongolia vient directement de Brindisi. De Brindisi, où il a pris la malle des Indes, samedi à 5h du soir. Et il va à Bombay. Directement. Mais il s'arrête ici à Suez ? Une heure seulement, le temps de faire son charbon. Mais en vérité, monsieur Fix, je ne sais pas comment, avec les renseignements incomplets qui vous ont été envoyés de Londres, vous pourriez reconnaître le personnage en question si, par hasard, il était à bord du Mongolia. Les soupçons portent particulièrement sur deux individus dont on a remarqué le séjour prolongé dans la salle des paiements de la banque. J'ai là leur signalement. Mais ce n'est pas tout à fait là-dessus que je compte, excellence. Les industriels de ce genre, on les devine. On les sent plutôt qu'on ne les voit. C'est du flair qu'il nous faut à nous autres détectives. Eh bien, voilà une magnifique occasion de l'exercer, d'autant plus, je crois, que la prime offerte par la Banque d'Angleterre est fort alléchante. Ah oui, excellence, la banque fait bien les choses. 10% de la somme retrouvée, c'est 200 000 francs pour moi, si je rattrape les 2 millions volés. Et tenez, j'ai comme un pressentiment que mon homme doit être à bord du Mongolia. Vraiment? Et s'il y est, que ferez-vous? Peut-être votre excellence consentirait-elle à s'assurer de sa personne ? Y songez-vous, monsieur. Arrêtez un sujet anglais et qui ne sera peut-être pas votre voleur. Vous voulez donc brouiller le Khedive avec sa gracieuse majesté ? Ah non ! Eh bien alors, je télégraphierai immédiatement à la police métropolitaine avec prière instante de m'envoyer un mandat d'arrestation qui me servira dès que mon voleur sera dans les possessions anglaises. Mais alors, vous le filerez donc ? Jusqu'au bout du monde, s'il le faut. 200 000 francs ? Et l'honneur. Arrive à ce moment l'Américain Archibald Corsican. Il a une longue vue à la main et regarde dans la direction du canal. Ah, voilà un gentleman qui attend avec nombre d'impatience que vous l'arrivée du Mongolia. Un rival ? Non, rassurez-vous, mais un singulier original. Bonjour, monsieur Archibald Corsican, citoyen des États-Unis d'Amérique et... Et l'homme le plus impatient qui soit au monde, excellence. Quoi donc ? Parce que ce paquebot qui m'apporte, je l'espère, mon admission au club des excentriques de Londres, n'arrive pas. Vous tenez donc beaucoup à faire partie de ce singulier club ? Beaucoup. Et qu'avez-vous fait pour cela ? J'ai fait à pied le tour de la mer Rouge. À pied ? Bien, mais cela n'a rien d'extraordinaire. Oui, mais je l'ai fait à reculons. À reculons ? À quoi cela servait-il ? Où serais-je, je vous prie, l'excentricité si cela servait à quelque chose ? C'est juste. Et franchement, si vous n'étiez pas reçu après cela, ce serait à désespérer les chercheurs d'originalité. C'est mon avis, excellence. Je suis du moins certain que ce n'est pas de cette façon que vous êtes allé à Londres il y a 15 jours. Non, sir. Mais vous en êtes revenu bien promptement. Oh, le temps d'aller prendre à la banque une très forte somme. D'aller prendre à la banque. Comment l'entend-il ? Pardon, monsieur, vous étiez à Londres le... Le 17 septembre dernier. Le 17. Tiens, mais c'est précisément le jour où ce vol de 2 millions a été commis à la banque. Justement, et le voleur et moi, nous en sommes partis tous les deux avec une somme énorme. Seulement, le voleur n'avait pas comme moi donné un sou. Oh, un oubli. Oui, un oubli. Oui, un oubli. Oui, monsieur, un oubli. Qu'est-ce qu'il a donc à me regarder comme ça, ce monsieur ? Mais puisque vous étiez si impatient de recevoir la réponse du club, pourquoi être revenu ici et ne pas l'avoir attendu à Londres ? Mais au fait, pourquoi ? Oh, une idée à moi. Je ne vais vivre à Londres que les jours où je pourrai mettre sur ma carte membre de l'excentrique club. Tiens, tiens. En effet, cela donne une notoriété et les curieux ne se demandent plus qui vous êtes. Précisément, monsieur. Voyons donc. Il sort des papiers de sa poche et les consulte en regardant Archibald. Mais il ressemble au premier signalement. Nous nous reverrons.
Le patron? Ma lettre, sans doute.